be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, franchement, tout se passe bien. Et un très bon dimanche, franchement. Il n'y a rien à dire. Un très bon dimanche de bonne qualité. Franchement, aujourd'hui, ce dimanche, c'est un dimanche de Noël. Hein. Pour moi, c'est un dimanche de Noël. Puisque voilà, Lyon m'a encore étonné. L'Olympique Lyonnais m'a étonné. Là, je ne pensais pas. Là. Franchement, là, je suis. Oh là là. Je réalise pas, mais ils m'ont étonné. Ils ont réussi. Mais encore, c'est un Africain qui marque encore. Un Zimbabwéen. Ah, c'est malheureux ça. Un Zimbabwéen qui marque le seul but du match. Un Zimbabwéen. Parce que là, les Africains, ils sont forts. Et non, mais les Africains, ils sont toujours forts. L'Afrique, non, c'est honte, bref. Ils sont trop forts. Le Zimbabwéen, là, non. Il est trop fort. Il a marqué le seul but. Encore, c'est un but. Vous allez voir, le but, il est normal, il est classique. Normal. Mais franchement, Lyon, il doit bien le garder, ce Zimbabwéen. Il nous sert beaucoup. Moi, je le connaissais pas très bien, mais maintenant, je commence à le connaître. On commence à le connaître du côté lyonnais. Il est même mieux que Depay et tout ça. Et il marque contre les grands. Donc, c'est un grand joueur de qualité. Lui-même, c'est un joueur qui vaut vraiment gros. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, Lyon a fait son match. Franchement, pronostic, le match, normalement, on devait perdre 2-3-0 ou un truc comme ça. Paris devait gagner. Mais bon, déjà avec Mbappé qui avait apparemment des petits soucis, il était au bord de touche. Et puis après, il est rentré. Ils étaient vraiment... C'était pas leur chance aux Parisiens. Parce que le match était à leur favori. Mais je suis content que Lyon a gagné. Même pour ce petit 1-0 là. On a tenu, et encore. Lyon a failli prendre un but. Mais franchement, ils sont tout ce qui est bien sur Lyon. Parce que là, ils sont solidaires entre eux. C'est ce qui est bien, ce qui a fait le match. Solidaires, ils ont attaqué tous ensemble et ils ont défendu tous ensemble. Quand tout le monde s'entend à Lyon, et ben là on le voit sur le terrain que tout le monde s'entend et que le résultat joue. Et là ils ont réussi à jouer une technique de jouer tous en défense et d'attaquer tous ensemble. Et de tout le monde cède entre eux. Donc quand Lyon est comme ça, et ben là c'est que du bonheur. Pour un but, tout le monde se lutte. Bon après, ouais. Il y a un Neymar qui a été blessé. Je vais vous montrer vite fait la vidéo. Ne ratez pas la fin de la vidéo. Le but du Zimbabwéen, je vais vous le montrer parce que je ne vous montre pas trop de vidéos parce que YouTube me bloque la vidéo. Mais franchement, c'est un très beau match de Lyon. Au niveau offensif, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, Lyon, mais ils ont réussi à bien défendre comme ils ont pu faire le match. Mais ce qui est bien, c'est que c'est de battre à Paris, parce que c'était vraiment... Ça faisait tellement longtemps que Lyon n'avait pas battu à Paris chez eux. Donc là, franchement, c'est extraordinaire. Il y avait Cornet qui disait que Lyon allait faire ce gros match et allait gagner. Je ne croyais pas quand il disait ça. Je ne pensais pas que ça allait être possible. Moi, j'ai dit, on va perdre comme d'habitude, 1-0 ou quoi. Mais là, la chance nous sourit, donc on va passer... Un très bon Noël du côté lyonnais. Franchement, là, je suis content. Là, je suis quand même dingue. Je vais pouvoir dormir le carnet maintenant. On va jouer contre. On va aller jouer à Lyon. Quand même. À Lyon. Contre, je sais plus c'est qui. C'est Brest, c'est ça? On va jouer contre Brest, tout ça. Les équipes comme ça. Bon, ça va, là, ça. Normalement, si tout se passe bien, si on gagne ces 3-4 matchs là, qui va arriver, on va passer un très bon mois de décembre. Il n'y a rien à dire. Maintenant, à eux se démerder entre Lille et le PSG pour cette deuxième place ou peut-être la première place. Mais nous, tout ce qu'on a su, c'est sûr et certain pour Lyon. Là, je ne sais même plus comment parler. C'est sûr et certain pour Lyon que là, on va rester dans la première place ou la deuxième place, voire la troisième. Mais bon, on est bien, on va passer un bon Noël, c'est un très beau. On a eu notre cadeau de Noël, battre Paris 1-0. Ça, c'est un cadeau de Noël, hein, moi. Vous parlez, moi, je dis, c'est un cadeau de Noël de battre Paris chez eux 1-0. C'est exceptionnel, puisque c'est quand même de grands joueurs. Il faut quand même qu'on savoure ça bien correctement. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'on savoure, puisque c'est pas tout le temps qu'on bat Paris chez eux, quand même. À Paris chez eux. Non. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Je vais savourer bien très...
Je sais même plus où vous parler. Je veux savourer tranquille la victoire. Tranquille. Qu'est-ce que moi je discute trop là? J'aime trop discuter. On a gagné, c'est tout. Qu'est-ce que je discute moi aussi? Pourquoi tu discutes d'avis? Moi je comprends pas pourquoi tu discutes. Tu as gagné, va dormir, c'est tout. Oui, discute d'avis. Moi j'aime trop discuter. J'ai gagné, je veux dormir.